France Bleu Provence. Les Tchatcheurs. Thibaut Gaudry. Je vous souhaite une très belle journée sur France Bleu Provence, les tchatcheurs, et vous, plutôt les tchatcheuses, je le disais, une heure de tchatche, d'humour, de bonne humeur. On va même jouer ensemble jusqu'à midi avec Aurélie Brima, qui est amputée, qui vient de réaliser un sacré défi, un tour de France des centres de rééducation, tout ça à cheval, 4000 km en 5 mois. France Bleu Provence, les tchatcheurs, Thibaut Gaudry. Et bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Provence dans les Tchatcheurs et vous jusqu'à midi. Aurélie, je ne vais pas vous poser la question, vous, ça c'est une évidence. Judith et Chloé, vous faites un peu d'équitation, vous faites du cheval de temps en temps, ça vous est arrivé? Vous avez des mauvais souvenirs? Non, racontez-nous un peu. Ah, non, pas du tout d'équitation pour non. moi. Non, vous êtes déjà monté sur un cheval quand même. Oui, mais j'ai un peu peur. Donc oui, c'est vrai, vous avez un petit peu peur. Vous pouvez compter sur Aurélie pour vous donner peut-être quelques tuyaux. Et vous, Chloé? Moi j'en ai fait longtemps petite. Ouais. Et ma dernière expérience date d'il y a quelques semaines où j'ai eu la chance d'être dans la Monument Valley aux États-Unis. Ah, voilà. Oui, carrément. C'est la Monument Valley à cheval avec les enfants. C'était magnifique. Ah ouais, c'est chouette ça, ça devait être une super expérience. Vous l'avez fait ça, oui. Vous, Aurélie? Oui, 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 il y a quelques années aussi avec ma maman. J'ai eu la chance de vivre ça, c'était merveilleux. Mm-hmm. Le cheval, c'est toute votre enfance, on peut dire ça comme ça ou pas? C'est toute mon enfance et puis après c'est devenu une thérapie aussi. Il y en a qui vont chez le psy, il y en a qui montent à cheval. Mm-hmm. Et c'est ce que vous avez fait d'une certaine manière en faisant ce Tour de France. Votre papa avait, ou il a toujours un ranch, je crois, à Traite, c'est ça? Oui, voilà, on a des écuries de propriétaires. Avant on avait un poney club et puis maintenant c'est que pour le plaisir. Votre papa qui vous a d'ailleurs accompagné dans cette grande aventure, très fier de vous évidemment. Forcément. Alors vous êtes parti pour ce périple de 4000 km avec un cheval camargué qui s'appelle Rigaou, c'est ça? Alors en fait on est parti avec deux chevaux puisque papa était à cheval. Ah bah oui, aussi, lui aussi il était à cheval. Ouais. Donc en effet il y avait Rigaou de la Cure qui nous a été prêté par la maison du cheval Camargue. Ça c'était le vôtre, hein, c'est alors, ça? Alors non, ça c'est celui de c'était papa. C'était celui de votre père. Voilà, et moi c'est Boubou en fait, un Boumanou Hispan qui est un cheval américain, un quarter horse que j'ai depuis plusieurs années et que j'ai dressé dans la complicité pour qu'il m'aide en fait au quotidien, donc il se baisse pour que je monte plus facilement dessus. Et vous avez créé une association qui s'appelle Andy Dream, dont on va parler évidemment dans l'émission. Oui. On peut retrouver toutes les infos sur andydream.com et puis pour faire connaître et sensibiliser à votre cause qu'on va expliquer dans cette émission évidemment, Aurélie, vous avez souhaité relever ce défi. On va revenir un peu en arrière quand même. C'était il y a 17 ans, c'est ça? C'était en 2002, vous avez eu un accident de la route. Juste tout près. Aix-en-Provence, voilà, un chauffeur qui m'a laissé sur le carreau. Je roulais en scooter et donc là, des fractures multiples sur tout le bas du corps, bassin, les deux fémurs. J'en suis à 16 opérations et voilà, toutes customisées pour ce Tour de France. Et à partir de là, vous avez dit, y a deux choses. Soit on se résigne, soit on se bat et on essaye d'avancer. Tout à fait, tout à fait. Et là, l'entourage est essentiel, mais pas tout le monde a la chance d'être entouré. C'est pour ça qu'on a créé l'association Andy Dream. Vous avez pu remonter rapidement sur un cheval après cet accident? Combien ça a pris? Combien d'années ont été nécessaires avant de pouvoir remonter sur un cheval? On va parler de moi plutôt. De moi? Oui, parce qu'en fait, même sans ma prothèse, je monte à cheval. Monter à cheval, c'est vraiment la chose que je peux faire quoi qu'il m'arrive. À chaque opération, même si je peux plus mettre mes prothèses parce que j'ai des œdèmes aux jambes, même si je suis en fauteuil roulant, on me prend en poids, on me pose sur le cheval et c'est encore possible. Et en fait, c'est mes quatre jambes, c'est mon oxygène, d'où quand je dis que c'est ma thérapie. Alors c'était un défi sportif, évidemment, hein, parce que c'est épuisant. 5 mois sur les routes quand même à cheval, il faut s'imaginer que c'est un sacré défi sportif. Oui. Mais aussi une belle leçon d'humanité dans le sens où vous avez été accueilli merveilleusement partout là où vous êtes passé. C'est des rencontres incroyables aussi. C'est ça, exactement. Avec mon état de santé, parce qu'en fait l'amputation c'est une chose, mais j'ai des gros problèmes de dos, des gros problèmes de hanches. J'ai encore 4 opérations à venir, j'ai des rendez-vous bientôt. Et donc physiquement, je ne savais pas si j'allais réussir à aller au bout. Et en effet, ça a été possible grâce à cette solidarité qui a été mise en place dans toute la France au niveau national. Ça fait vraiment du bien, que ce soit les personnes qui nous ont hébergés, des ostéopathes qui ont fait plusieurs heures de route pour venir me soigner, des kinés, vraiment tout un encadrement pour la santé, pour que ça soit faisable, pour m'aider à aller porter cet espoir dans toute la France. Alors l'itinéraire, c'était quoi? Vous êtes parti au mois de mars, donc d'Aix-en-Provence. D'ici, voilà, vous êtes arrivé le 31 août, donc il y a une quinzaine de jours au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est ça. Et entre les deux, alors, vous êtes passé alors, par où? Alors en fait, on est le premier centre de rééducation, ça a été Nîmes. Donc on a fait Aix-Nîmes en une semaine. En fait, à chaque fois, les centres de rééducation, c'était le lundi où on intervenait. Et on avait à peu près une semaine pour relier deux grandes villes. Ensuite, on est parti sur Lyon. Ensuite,
on est allé, on est passé en dessous de Paris, Tours, la Bretagne, et puis on est redescendu par la côte atlantique. Mmh. Un vrai Tour de France, donc oui. un vrai de Tour de France. Vous êtes aussi allé dans les écoles pour sensibiliser aussi les plus jeunes pour qu'ils changent de regard, pour leur donner un regard positif sur le handicap, sachant que les enfants ils sont cash en général. Hein. C'est ça qui est chouette. C'est qu'en arrivant ils me regardent tous de travers et ils me disent mais t'es foutu toi. Bah non je suis pas foutu. Mais tu peux pas conduire. Bah si je conduis. Mais tu peux plus marcher. Bah si je marche. Voilà. Donc on essaie de répondre comme ça à toutes leurs interrogations et à la fin ils nous regardent dans les yeux. Ils regardent plus seulement la jambe. Mmh. Aurélie Brima est avec nous jusqu'à midi sur France Bleu Provence, tout comme j'ai dit Aziza et Chloé Béron. Les tchatcheurs et vous jusqu'à midi sur France Bleu Provence avec Aurélie Brima qui a réalisé un Tour de France à cheval pendant 5 mois, 4000 km malgré son handicap. Et figurez-vous Aurélie qu'il y a Jamila qui est à Aix-en-Provence et qui a envie de vous dire quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas, hein, c'est une surprise. Jamila, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur France Bleu Provence. Vous avez un message donc, pour Aurélie, Jamila. Oui, bonjour Aurélie, c'est Jamila. Bonjour Jamila. Un gros bisou de la part de Maïsan. Et voilà. Et votre passion a donné envie à Maïsan, elle est en troisième, d'être dans la garde rapprochée au niveau de faire gendarme équestre. Wow. Alors, c'est qui Maïsan? Expliquez-nous, Aurélie. Donc, vous connaissez Maïsan, manifestement. Ce sont des amis, en fait. Mais au départ, Maïsan est une patiente, puisque j'étais orthophoniste sur Aix pendant 5 ans. Et voilà, et ça a été ma chouchoute. D'accord. Et voilà. Normalement, ça, il ne faut pas le dire. Mais bon, c'est trop tard. C'est tout le monde le sait maintenant. C'est foutu, voilà. Et voilà. Donc, on a eu une relation très privilégiée. Mmh, d'accord. Ça me fait plaisir. Aurélie, on pense beaucoup à vous et on vous suit beaucoup. Et la dernière fois, il était venu sur le Cours Mirabeau vous voir, vous ne nous avez pas vu. Ah. Et franchement, on pense très très fort à vous à chaque fois. Et voilà. Bah, merci. Un gros bisou à toutes Jamila, les deux. Merci Jamila, merci à vous. À très vite. Hein. Merci Jamila, bonne journée à Aix-en-Provence. C'est dire l'élan d'enthousiasme qu'il y a eu autour de l'aventure que vous avez vécue pendant ces 5 mois tout autour de la France. Allez, on est ensemble jusqu'à midi sur France Bleu Provence. On va jouer avec Aurélie dans quelques minutes avec un quiz autour du cheval. Vous avez quelques connaissances. Si vous en avez très peu, ça doit pouvoir passer aussi. Hein. Oui, vu les questions, je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller. Vous voyez, si Aurélie vous le dit, c'est que ça doit être vrai. Trois questions autour du cheval et de l'équitation. Vous nous appelez tout de suite au 04 42 38 08 08. Et Aurélie est avec nous, Aurélie Brima. Et son Tour de France à cheval, 4000 km pendant 5 mois. Et son association, qu'on n'oublie pas, Andy Dream. Amélie est avec nous, on va jouer avec elle tout de suite. Entrez dans l'arène, Amélie, bienvenue sur France Bleu Provence. Oui, bonjour. Amélie, je vous présente Aurélie. Aurélie, je vous présente Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Vous allez jouer donc avec Aurélie qui va vous poser des questions autour de l'équitation, du cheval. Des questions très, 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 très faciles. Amélie, vous avez quelques connaissances en cheval? Vous faites vous-même peut-être de l'équitation? Non, du tout. Non? Vous en avez déjà fait quand même? Un peu d'équitation? Ouais, non. Non. Du poney, non, même pas. Oui, peut-être. Ah, peut-être il y a longtemps. Bon, Amélie, première question tout de suite avec Aurélie. Aurélie, on vous écoute. Alors, Amélie, comment s'appellent les cheveux du cheval? Très compliqué. Ça, c'est dur. Bien, très très bien, Amélie. Les crins valides, c'est la crinière, on valide le crin. Tout à fait. Bon, je laisse la spécialiste vous dire si c'est juste ou pas. Alors, deuxième question, Amélie. Vous savez qu'un cheval exprime beaucoup avec ses oreilles. Quand un cheval met ses oreilles en arrière, qu'est-ce que cela peut signifier? Il est en colère. Mmh. Bien. Ah, c'est ça, bravo. Très très bien, bravo, super. Amélie, vous saviez pas du tout. Pas du tout. Ok, super, toujours bon à savoir. J'avais aucune idée de la réponse. Ça, c'est quand même bon à savoir. Mais la prochaine fois, voilà, que je croiserai un cheval, je vérifierai la position de ses oreilles. On apprend aux enfants, on dit attention, quand les oreilles sont couchées, c'est pas bon, on passe loin. On passe pas. Dernière question. Alors, très difficile. L'aquaponie sera une discipline olympique l'année prochaine à Tokyo. Vrai ou faux? Vrai. Alors là, je suis pas sûr que ce soit vrai, par contre. Alors, l'aquaponie me sert beaucoup d'excuses quand je sais pas comment me sortir d'une situation compliquée. Je dis, d'ailleurs, je peux pas, la première fois que je vous ai invité, je crois que c'est vous que vous m'avez répondu. Vous m'avez dit, j'ai aquaponie, je vais pas pouvoir venir.
Alors, c'est quoi l'aquaponie d'ailleurs? Alors, l'aquaponie, moi, ça me plairait bien, hein, en fait. C'est quand on va dans l'eau avec le cheval, quoi. Donc, on peut allier balnéothérapie et équitation. Ça me plairait bien comme discipline. Voilà. Mais ce ne sera pas le cas. Hein. Ça ne sera pas le cas. En tout cas, pour le moment, non. Voilà. Ouais. Bon, Amélie, ça nous fait quand même de bonnes réponses, qui veut dire que vous êtes sélectionnée pour le tirage qui aura lieu à la fin de la semaine. Bravo à vous. Bravo, Amélie. Super, merci beaucoup. Je vous embrasse. Aurélie, j'ai lu quelque part, il me semble que les Jeux Olympiques, c'est un truc qui vous tenterait bien, ça. Ça serait un des prochains projets. À l'avenir, alors peut-être pas l'année prochaine, mais sachant que dans 4 ans, enfin dans 5 ans, ce sera en France. Oui. Racontez-nous. Bah, ça serait un des prochains challenges. Ouais. Voilà, donc il faudrait une grosse remise à niveau, parce qu'entre forcément la randonnée et les Paralympiques, il y a quand même un monde, même si je pratiquais quand même. Ce serait quel type d'épreuve ? Du dressage. Voilà. Ouais. Donc, j'ai quand même pratiquer des compétitions de dressage, de CSO, donc il faudrait se remettre un peu dans le bain, trouver le bon cheval. Et puis voilà, ça serait un nouveau défi, un nouveau challenge à relever, une fois que je me serai occupée de ma santé, parce que là, on va d'abord aller à l'hôpital. Terminer un petit peu. Terminer le cursus des faire opérations. Faire le contrôle technique, et puis on verra après. Mais oui, en effet, c'est le prochain objectif. Et ce ne sera pas sur un poney. Non, et pas dans l'eau non plus. Les tchatchers. Avec Aurélie Brima, qui a créé donc cette association qui s'appelle Andy Dream. On a toutes les infos sur andydream.com. Aurélie, qui, je vous le rappelle, a réalisé un Tour de France à cheval, 4000 km pendant 5 mois. Et je rappelle aussi que vous êtes amputée. Sacré défi donc que vous avez relevé. Et donc cette association que vous aviez créée déjà avant de réaliser ce Tour de France. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de passer dans les centres de rééducation, aller à la rencontre des patients pour partager l'expérience du handicap, leur donner de l'espoir et leur permettre de recouvrer rapidement un quotidien agréable. Et alors là, pendant ce Tour de France, ce qui est formidable, c'est qu'avec les animaux, il y a une espèce de médium qui simplifie les contacts entre les gens, en fait, qui rapproche tout de suite, instantanément. Exactement. En fait, les animaux se positionnent vraiment comme des médiateurs et quand on arrive, on parle d'abord des animaux, ils font le lien avant de parler du handicap. Et du coup, quand je mets pied à terre, on se connaît déjà avec les patients et on peut de suite rentrer dans l'intimité du patient et qu'il puisse formuler ses craintes les plus intimes, les plus profondes. C'était quoi la plus belle rencontre sur ce Tour de France? Il y en a eu tellement, ça serait vraiment compliqué. Une petite fille peut-être qui a le même handicap que moi et toute sa famille. Voilà, et donc on a pu échanger et ça devient des amis. On a des amis un peu partout, dans toute la France maintenant. Voilà. Vous avez été très suivi pendant tout ce périple, c'est très, très encouragé et ça vous a redonné foi en l'humanité. Oui, tout à fait. Parce que on a vu qu'il y avait vraiment une chaîne de solidarité qui s'était mise en place dans toute la France, que ça soit pour le matériel des chevaux, que ça soit les partenaires financiers, que ça soit les hébergeurs, des gens qui nous ouvrent leurs portes, qui nous connaissent pas. Ça fait chaud au cœur. Des ostéopathes qui ont fait des heures de route pour venir me soigner parce qu'il y avait tout un suivi médical, paramédical. Et ça a été compliqué. Quand on est à la maison, ça va. Mais quand on est à plusieurs kilomètres, milliers de kilomètres, c'est compliqué. Donc, il existe encore beaucoup de solidarité et sans ça, ça aurait pas été possible. Merci à toutes les trois. Les tchatchers et vous, c'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve demain à partir de 11h. France Bleu.